Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, vous êtes en compagnie du Druide Geek et aujourd'hui on continue notre épopée sur Halo Reach pour cet épisode 3. Dans l'épisode précédent, on avait découvert le point d'invasion des Covenants et là on va continuer pour la suite. Sans plus tarder, c'est parti! Donc, elle peut faire de lance. Deux armées colossales s'affrontent. J'ai pas eu le temps de lire. Oula, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Apparemment, la découverte faite par l'équipe Noble hier n'a rien d'une anomalie. Des détachements Covenants se sont déployés à notre insu, et nos positions du territoire Vieri sont attaquées, défenses orbitales incluses. Comme l'impose la procédure, nous ripostons sur tous les fronts. Noble a identifié des écrans de camouflage qui masqueraient le déploiement d'armées Covenant. Et découvert une potentielle zone d'atterrissage destinée à d'autres troupes d'invasion. Leur origine reste à déterminer. Ah, c'est classe. Ça, c'est classe. C'est la guerre. Cette zone d'atterrissage est désignée cible prioritaire par l'UNSC. La détonation est claire et sonore. Reçu. Verrouillage sur le pylône en acquisition. Détonation dans 3, 2... Ils ont fait péter le pylône. Ah, c'est classe cette vue intérieure. Contact! C'est le moment de s'accrocher! Eh bah, Kat, elle y va pas de main morte. Six! Vous m'entendez? Vous allez bien? Venez un peu m'aider! Les autres ont eu moins de chance. Allez, c'est parti, on a quoi comme arme? Qu'est-ce que c'est que ça? 4, 6, votre situation. Ok, un lance-patate. On a battu, on progresse sur la colline. Allez, je suis plus adepte du sniper. Ça canarde dans tous les sens. On va y aller tranquillement. Oula, j'ai plus beaucoup de vie. On va faire ça doucement. Ça sert à rien de trop se précipiter. Cible ennemie compromise. Danger. D'accord, il y a toi qui es là, hop là. Visez cette tourelle. Ah, j'ai pris trop de temps à le faire. Bon, cette mission commence bien. 4, 6, votre situation. Il en a battu, on progresse sur la colline. Votre tour elle est cachée. Personne n'a pris celle-là. Hop là. On esquive un peu. Sachez que l'ONI a identifié deux tourelles anti-air au sud-ouest de votre position. Reçu, commandant. 6, nouvelle cible. Allez abattre ces tourelles. Pourquoi c'est à moi de les abattre? Vous pouvez le faire. Ouh, ça canarde bien là-bas. Vous prenez le Warcode. Ah, c'est moi qui ai obligé de conduire.
Bon, en tout cas, c'est mieux si c'est moi qui conduis. Ça sera un peu mieux. Enfin... J'ai rien dit. Allez, vas-y, monte. Je fais un peu plus attention. 6. L'antier devrait être à portée de vue. 2 Lima 4 pour Noble 1. On nous pilote avec des obus de plasma à grande vitesse. Ce qui signifie qu'on ne peut pas non plus attaquer avec la frégate Grafton. 6. Nos avions ne servent à rien si vous ne nous débarrassez pas de cette tourelle. Waouh, c'est tendu là. Ah. Je suis rentré dans le tas, mais moi j'ai pas envie de conduire le truc, moi j'ai envie de tirer. Oh là là. Ce qui signifie qu'on ne peut pas non plus attaquer avec la frégate Grafton. 6. Nos avions ne servent à rien si vous ne nous débarrassez pas de ces tourelles. Allez, explose le machin, hop. Ça, c'est toi qui m'a tiré dessus. Vas-y, tire-lui dessus. Mais qu'est-ce que t'attends pour tirer sur l'autre? Ah là là là. Ah, ils ont retourné le Warthog. Décidément. Bon, allez, on y va la grenade. Toujours la vie. Ouf. Ah, il veut pas me laisser tranquille. Ah là là. Décidément, calmez-vous. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Une info, 6. Les armes normales ne peuvent rien contre ces tourelles. D'accord, allez lancer une grenade. Contrôle de Lima 4, permission d'un passage de bombardement vers 224.6, à vous. Ah, oh, pourquoi je suis resté dedans? Oh. Ce qui signifie qu'on ne peut pas non plus attaquer avec la frégate Grafton. 6. Nos avions ne servent à rien si vous ne nous débarrassez pas de ces tourelles. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. On continue de faire le tour.
jusqu'à temps de les avoir petit à petit. Non, toi tu veux pas conduire. Je conduis. Ce truc a l'air dangereux. Allez, monte. Non, tu veux pas monter? Tant pis. J'y vais sans toi. Hop là. J'ai cru que le truc allait exploser. Une info, 6. Les armes normales ne peuvent rien contre ces tourelles. Allez, on se barre. Contrôle de Lima 4. Permission d'un passage de bombardement vers 224.6. À vous. Il peut monter. Continue de l'exploser celui-là. Je serai à la com. Ah purée, il est résistant. Pas grave, on avance. Olé. Oh mais non. En même temps, il a deux de temps à tirer sur les trucs. Partez au sud-ouest. 6. Prenez la route du sud pour avoir une meilleure vue de ces spires. Je serai à la com. Pont en place, 6. Continuez d'avancer vers les spires. Allez, vas-y. Vise pas les petits, vise les gros. Je vais établir ici un poste avancé d'observation. Reçu. J'attends de nouvelles infos. Dites-moi ce que vous voyez. Terminé. J'espère qu'on est bien assuré pour ça. Ouais, moi je vais prendre celui-là, c'est beaucoup mieux. Pied au plancher, c'est parti. Allez, vas-y, hop, c'est parti. Noble 6, il y a une mine près de votre position. Les Covenants en ont fait un avant-poste de commandement. Les soldats sur place ont commencé...
avancer. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre dans le tas? On peut pas rentrer dans le tas. Information. Les alliés proches de l'avant-poste Covenant ont repéré une cible de grande valeur, un dévot élite. Un dévot? On est sur un gros coup, commandant. Restez concentrés. Dégommez le dévot si vous pouvez. Mais continuez de progresser vers les spires. Se cacher derrière ça, par contre j'aime vraiment pas. Je crois que ça a pété, je suis pas sûr. Alors surprise, bim. Bon, on va prendre celui-là, le gros. Okay. Pétard, alien. Désolé. Note là, couché. C'est maintenant que vous arrivez, les copains. Lui, il reste à sa place, il bouge pas. Le qui se fait tirer dessus. Continue d'avancer. On fait pas dans la dentelle. Cible de grande valeur neutralisée. Très impressionnant, 6. D'accord, c'était lui. Il est badass. Surprise! Vous permettez que je me joigne à la fête? Hop là! Allez, on est rentré dans leur truc. Logistique. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce pétoir? Waouh! Sacré pétard. Allez, on leur emprunte leur machin.
essayer de ne pas s'attarder. Le scan montre une autre tourelle anti-air covenante droit devant vous. Allez. Vous devez neutraliser cette tourelle. Et tous les moyens sont bons. Comment j'ai foiré mon atterrissage? Je voulais faire un truc badass, mais bon. Wally, ouais. Il y a pas mal de mecs. Comment je vais faire mon compte, moi? Ça va être tendu, ça va être tendu. Essayer de rester caché en les faisant exploser. Ah là là. Comment tu veux que je me batte contre des machins comme ça? Oh, il y a du monstre là. Oh, ils abusent. C'est pas moi. Ouah, mais je l'ai pas eu. On dégage. Par contre, j'ai plus de vaisseau, moi. On va se mettre là. J'ai tout cassé la tourelle. Par contre, vous, ça craignez pas trop que... Non, on passe à travers. On va y tester. Oh hop, ça on recharge. Merci. Roulez. Bien joué, 6. L'ONI va tailler de ses spires. On vous escorte le reste du chemin. Georgia, Falcon en approche sur votre position, lieutenant. J'éclaire la ZA.
Ouais, cette mission était quand même pas mal tendue. J'ai repéré que ça bastonnait sévère. Et c'est pas conclu. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Allez. C'est moi qui vis. Pourquoi on a pas tué des armes comme ça? Franchement, ils font un mort des dégâts ceux-là. Qui c'est qui me tire dessus? Ah, on approche d'un autre. Bien reçu. Point. Les dernières infos suggèrent que ces civils projettent des boucliers électromagnétiques. Priorité 1, Plot. Faut savoir ce qu'il y a là-dedans. Affirmatif. Et c'est parti. Les systèmes ont lâché. On va se cracher. Verrouillez votre armure. C'est parti pour un tour de manège. L'équipage est mort, on dégage. En même temps, vous êtes surentraîné, vous pouvez résister un peu à tout. Des amis éparpillés partout. Faut qu'on se bouge. Commandant, la spire est en vue. Ça ressemble à une embuscade. Reçu, on a votre visuel. Dodge cherche une solution, attendez. Un peu de vie, ça sera mieux. Il me tire dessus. Dans le mille. Cible multiple. C'est pas des alliés. Donc maintenant, je ne peux plus courir, mais j'ai un jetpack. Dans le dos. Il faut un meilleur angle. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Noble 5, d'après l'ONI, ce sont des terminaux de téléportation. Téléportation ? Vers où ? La frégate Grafton est prête à descendre la spire. Mais il faut d'abord désactiver le bouclier. Reçu. 6, je m'occupe de ces connards. Vous, vous rejoignez le sommet de la spire. Thank you.
Allez, on arrive au niveau de la tour. En mode infiltration. On y va. Leader Noble, 6 en ascension. Amenez-vous, dégommez ce bouclier. Spartan, j'arrive en Falcon. On vous récupère dès que vous aurez désactivé ce bouclier. C'est quand vous voulez, 6. Plus vite, lieutenant. On a une frégate prête à bousiller ce truc dès que le bouclier sera désactivé. Et feu. Waouh. Mais c'est que l'échauffement. Non. Mais sérieux. Machin. L'ennemi me tire dessus. Oh non, fuir. Ok, tu veux jouer à ça? Le premier qui tape? Ah, il a été plus rapide que moi. Une erreur de ma part, encore une fois. Plus vite, lieutenant. On a une frégate prête à bousiller ce truc dès que le bouclier sera désactivé. Hop là, ça c'est fait. Ça c'est classe. Sortez-nous de là. Contrôle, ici Noble 1. Spire 1 paré. Autorisation d'engager. Bonne journée. Reçu, Noble 1. À toutes les unités sol. Frégate lourde, 3-1-8 en approche sur zone. Recours aux munitions AM autorisées. Munitions AM? En atmosphère? Au moins, ça captera leur attention. Accrochez-vous, soldats! Ouh, c'est le gros vaisseau qui arrive! Faut qu'on foute le camp. Ils sont combien sur le vaisseau là? Allez, on enchaîne avec la mission suivante, donc longue nuit de réconfort. L'apparition soudaine d'un super destroyer Covenant était imprévue. Un rebondissement regrettable. Heureusement, la parade est imminente. 60% des bâtiments de la flotte UNSC convergent sur Reach depuis leur position actuelle. Fleetcom signale que le premier détachement arrivera d'ici 48 heures. Tant que ça? Tu parles d'une imminence? Ah ah. Sur qui tu paries cette fois? Elle. Comme d'habitude, alors. Elle l'a toujours à sa pogne. Cette chose nous taille en pièces. À ce rythme, on y sera tous passés avant l'arrivée des renforts. Nos ogives nucléaires ont été vaporisées avec leurs canonnières. Les autres sont déjà loin. Vous prêchez un converti. À quel point? Je connais ce regard. Vous pouvez dire non? Non. Vous pourriez m'écouter, au moins. Très bien, j'écoute. Vous vous rappelez cet incident, il y a 2 ans? Un navire en transit vers Cygnus. 700 morts. Vaguement, une défaillance du moteur PRL, c'est ça? En fait, il fonctionnait au poil. Les mécanos ont foiré le remontage après une maintenance. Quand il s'est déclenché, la moitié du navire s'est disloquée. Et alors? Quel rapport? Avec un peu d'aide, un certain super destroyer Covenant pourrait subir le même genre de regrettable incident. Même pour vous, Kat, c'est... Inspiré?
J'aurais dit autre chose. Il se passe quoi? Ok, expliquez-leur. Vous permettez? Fais gaffe avec ça. L'objectif? Détruire le destroyer Covenant en orbite géosynchrone. Vous approuvez, chef? À votre avis. Ah. La méthode? Utiliser un moteur PRL au lieu d'ogive. Vecteur d'intervention? Nous. Problème? Rejoindre l'orbite. Ça, et mettre la main sur un moteur PRL. Là, je te le rends. En gros, ce qu'il nous faut, c'est un transport orbital et un exemplaire du matériel le plus coûteux jamais créé. Je ne suis qu'un simple soldat. Jamais je n'ai eu accès à ce genre de matos. Cela dit, je connais un endroit où on pourra se servir. Le site de lancement du très fictif programme Sabre, ramené au rang de vulgaire rumeur par 3 gouvernements successifs. Et où, bien sûr, notre lieutenant n'a jamais servi comme pilote. T'es flippante, des fois. On n'a besoin que de l'aval du colonel. Ça, c'est pas gagné. C'est vous qui lui demanderez. Oh, jamais il sera partant. Pourtant, si, il a l'air d'être partant. Atterrissage en douceur. Vous me déposez sur le site de lancement. Plus près, c'est vraiment trop tendu. Bien reçu, commandant. Allez vers la plage, Noble. Allez, c'est parti. On a le petit flingue et le petit pétoire. Voilà. Cette fois, c'est nous qui nous faisons une invasion. Ah, oh, j'aime pas ces gros-là. Lui, s'est fait exploser. Bien reçu. Ok. Ouais, t'es mort. En même temps, ils trichent, ils ont des munitions qui te suivent, c'est vrai. Là. Allez, on accompagne les copains dans ce foutu merdier. Côté gauche? Ok, on va à gauche. Tout est bon, chef. Tout est bon, ils sont tous morts. Hop là. Donc alors, ça serait ce vaisseau-là? Non, ça serait un vaisseau Covenant.
D'accord, c'est ce tout petit machin-là. 6, George, prenez le sabre avant que les Covenants le bousillent. Et vous et 4, alors ? June arrive en Falcon. On se taille après votre lancement. Allez, équipe de lancement. C'est vu, 6. Sabre est parti. On y va. Allez, on va faire un petit tour en vaisseau. Ah. C'est moi qui pilote. Ils sont vraiment confiants. Lancement de portée, moins 5, 4, 3, planète, elle est badass. C'est magnifique. Hollande pour sabre bravo, bande de 9, terminé. Bien reçu. Colonel Hollande. Affirmatif, Noble 5. Bienvenue à l'opération Uppercut. D'ici, je vous dirigerai tout le long. C'est compris, colonel. Noble 6, ces sabres ont été modifiés pour la défense orbitale. Vous aurez besoin d'un temps d'adaptation. Rendez-vous à Encore 9 avec la frégate Savannah avec les autres sabres dès que vous êtes prêts. Terminé. Oh, regardez-moi ça, comment c'est magnifique! Allez, hop là.
sur vaisseau de l'UNSC. Signature de propulsion détectée. Des chasseurs. Allez, Sam. Équipe Sam, arrosez-les pour désactiver leurs boucliers, puis envoyez-leur des missiles. D'accord. Tir sur si les batteries défensives sont à 79%. Encore une minute, équipe Sam. Suivant. Allez, allez. Encore un. Ah, encore deux. Ça c'est fait. Encore 9 à tous les appareils proches. Attaque ennemie massive en approche. La patrouille de combat et les équipes sabres doivent couvrir le feu pour défendre la station. Il faut aller où pour pas voir de Covenant? Encore 9 à tous les vaisseaux de l'UNSC. Les défenses de la station sont de nouveau actives. Dégagez la voie, on allume. Hop là. Allez, on continue à faire un petit carnage. Hop là. Bien visé, 6. Battez le prochain. La Banshee, c'est fait. Me le prendre de près. J'ai quand même pris cher là. Ça canarde de partout. Encore 9 pour vaisseau de l'UNSC. Toute cible neutralisée. Bravo 029, permission d'entrée. Marqueur activé. Hollande pour sabre, bravo O29. Noble 5, vous êtes prêt? Affirmatif, colonel. Aïe. On vise bien, ça serait con de se foirer un peu. Et me passe pas comme ça dessus, toi.
va tranquillement, mais bon, tout je suis là, cinématique. Alerte, pack de retour M-Spec désactivé. Il me faut l'autorisation. Alerte, pack de retour M-Spec. Dépressurisation du cockpit terminée. Ouverture de la verrière armée. Ah ouais, il est comme ça, lui. Max 14, Sivan. Noble 5, répétez. Affichage coordonnées 19 par 22. Volontiers, base Sword ONI, secteur 18G. Filtre thermique. Noble 5, votre fréquence cardiaque accélère. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour la base Sword. Le surnombre est trop écrasant. Noble 5. Je sais. Bravo 029, allumage des propulseurs autorisés. Noble 6, ici Hollande. J'écoute, colonel. Nous avons identifié un navire de classe corvette en voie d'amarrage avec l'objectif. Transférer notre bombe improvisée sur cette corvette pour assurer la livraison. Noble 5 se chargera du colis. Votre escadron Sabre dégagera le passage avant abordage. Reçu, colonel. La Savannah a fait cadeau de la rupture spatio-temporelle à la cause. Donc, elle viendra à votre renfort en local. Savannah UNSC, on est peut-être cloué au sol, mais on va vous couvrir. Sur ce coup-là, ma tête est sur le bio pour l'équipe Noble. Ce sera fait, colonel. C'est terminé. Cible corvette repérée à portée de la balise NAV ERA 15. On l'a en visuel. Cible confirmée. Allez, c'est parti! Brigade Savannah en position, en attente des sabres. Écho 1, tous les systèmes parés. Écho 2, on est prêt. Écho 3, système prêt. Écho 4, tous les systèmes prêts. Bien reçu, brouillage en cours de la com de la corvette. Frappez fort tant qu'elle ne peut pas appeler au secours. Ok, équipe sabre, dégagez un accès à la corvette. Tiens dessus! Feu! Il faut peut-être brider les moteurs, colonel, pour voir si on la ralentit. Bonne idée, Savannah. Ça rendra son abordage bien moins compliqué. 6, je marque les cibles. Flinguez les moteurs principaux de la corvette. Ce sera pas jamais plus chambé. Quelqu'un peut me débarrasser de lui. Arme prête. Allez, on accélère, on accélère, on accélère. Et on fait demi-tour. Il n'en reste plus qu'un. Hop là. Alerte, l'heure détectée dans le SAS, poste de lancement de la corvette. Alerte, sabre, multiples signatures de moteur à propulsion, plus d'ennemis en approche. Écho 2 pour contrôle Savannah. D'où viennent les renforts? Je croyais que la cible était brouillée. Sans doute des escouades de retour de patrouille, Echo 2. Ne les laissez pas filer, Sabre. Tuez-les avant et prévenez le super transporteur de ce qu'on prépare. Je le prends. Seraph, assis-le. Adieu. Je vais te voir quand tu vas sortir. Bon, c'est même pas moi qui t'ai eu. Dot, mais bon. Analyse toutes les données dispo sur cette corvette. Trouve une entrée. Le scan indique une faiblesse structurelle autour de la plateforme supérieure du vaisseau. Noble 6, posez-vous immédiatement sur le pont supérieur de cette corvette.
Ça y est. C'est classe avec la gravité. Les structures de la savane vont finir par lâcher. Débrouillez-vous pour entrer et bousillez la com de ce vaisseau pour de bon. Dès qu'on sera sûr que la corvette est muette, on entamera Uppercut phase 2. Que vous êtes, mes copains. Mince, il était là il y a deux secondes. Sa canarde. Il en manque un. Il est où? Il est où? Il est par là. C'est trippant de jouer avec la gravité. On peut même se faire un shoot. Relais de com ennemi désactivé. Reçu, je stoppe les contre-mesures, j'envoie toute l'énergie et le personnel vers les armes. Bien, Nabel. Allons placer cette bande de rupture spatio-temporelle. 6, au hangar. Question, le hangar il est par où? Il est par là. Lui, il vole complètement. Il nous a fait une petite Superman. Allez, on va dégager le hangar pour que le Pélican puisse arriver. Double 5, vous les retrouverez là-bas. Affirmatif, on approche. De vie. Ah. J'avais plus beaucoup de vie. C'est quoi le truc qui vole? Je l'ai pas vu. Ah là là, on va réussir, on va réussir. Noble 5, vous les retrouverez là-bas. Affirmatif, on approche. Thank you.
les avoir, on va les avoir. Bon, en même temps, vous avez un bouclier en plus, bon, m'enflure. Ah voilà, hop là. Est-ce que je les ai tous eus? Six, flinguez ces commandes. Je dois entrer. Allez, allez. On y va, on y va, on y va. Cet épisode va être bien long. Je pensais pas que la mission prendrait autant de temps. Colonel. Reçu. 6. Menez votre escouade jusqu'à la passerelle. L'opération de ravitaillement avec le super destroyer doit être enclenchée manuellement. Reçu. 5. Restez en position et dissuadez les curieux. Avec joie. Vous entendez ça, lieutenant? Je suis en solo par ici. Alors maniez-vous le train, ok? Ok, ok, ok. Super transporteur, rendez-vous au pont. Trouvez les commandes de navigation. Vous êtes libre de piocher dans notre arsenal, Spartan. Il est où le truc de munitions? Ah, il est là. Et lui on le contourne, et hop là. Savannah pour Hollande, dégâts structurels critiques. On doit battre en retraite, colonel. Bien reçu, on vous couvre. Rentrez au bercail. Repli, repli, avarie, surchauffe du réacteur, on va y rester. Allez, tu vas mourir, oui. Merci. Contrôle Savannah, vous m'entendez? C'est fini, Sis. On pouvait rien faire. Ils ont explosé notre vaisseau. Faites avancer cette corvette et foutez le camp de là. Le pont, Spartan. On fait le ménage. Allez, on fait le ménage là-dedans.
Oh, lui, il fait mal. Là, on va prendre son machin. La navette sera ravitaillée au super transporteur. Bravo, Noble 6. Opération Uppercut lancée. La corvette est en route. 6. Notre porte de sortie se fait avoiner. Retournez au hangar. Ennemis sur nous. Contact. Il tire dessus. Allez, on va aider les copains. Mais non, mais je t'avais mis un coup là. Allez, j'aimerais bien terminer cette mission. Toi, tu m'énerves avec ton bouclier. Ça, c'est fait. Bien, ça, c'est pour tout à l'heure. Vide les munitions. On va l'avoir, faut défendre. Ça c'est fait. Ne dis pas qu'il faut encore défendre. Il tire dessus. Il faut un meilleur angle. Bon bah là je fonce directement dans le tas. Mais non! Oh, décidément! Non, mais cette vidéo là va être trop longue! Je ferai sûrement
un cut au montage. Allez. Oh mais là ça commence à m'énerver. Ça va faire une bonne vidéo comics ça. Je vais t'avoir. Tire pas là-dessus, sale fou. Ça devient tendu. Et n'y revenez pas. La Savannah s'est occupée de la porte. Impossible de retourner au sabre. Noble Six, venez avec moi. La distance diminue entre la piste de ravitaillement et le super destroyer Covenant. 76 secondes avant contact. Ok, ça se présente mal. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le système de propulsion est HS, et le seul moyen de foutre le camp de ce poids mort, c'est de miser sur la gravité. Et la bonne nouvelle ? C'était la bonne nouvelle. À vitesse constante, contact dans 53 secondes. Ouais. Mauvaise nouvelle, le minuteur a grillé. Va falloir que je l'enclenche en manuel. C'est du suicide. On y passe tous un jour ou l'autre. Foutez le camp, 6. Ils auront besoin de vous en bas. J'ai une dette envers Rich. C'est l'occasion ou jamais de la payer. Ne m'en empêchez pas. Faites que ça vaille le coup. T'as les couilles, mec. Si je me fais pas pousser par l'onde de choc, c'est un miracle. Relèvement multiple sous le réseau de défense orbitale. Rupture spatio-temporelle détectée. Ouais, on capte aussi des anomalies. Oui, alerte. Rupture spatio-temporelle détectée. Quelqu'un les a en gueule, ils sont partout. Alerte. Rupture spatio-temporelle détectée. Alerte. Et moi, je suis toujours en chute libre. Et voilà. Et ça va être tout pour cet épisode 3 de
Allô Rich, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais devoir faire pas mal de montage parce que la vidéo fait 1h16 en totalité, donc je verrai bien combien elle fera après montage. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de Allô Rich.